On se retrouve sur les top 10 des meilleures vidéos. J'étais en train de regarder la vidéo de mon copain qui m'a dit: tiens, t'as un thème pour toi. Comme t'as pas trop d'idées de vidéos en ce moment, tu pourrais peut-être faire les meilleurs jeux vidéo. Donc, moi, j'ai classé très vite fait. C'est selon moi, hein, bien sûr, vous pouvez avoir vos avis. Donc, pour moi, le meilleur jeu vidéo, c'est GTA 5. Même mon père est d'accord avec moi, mais pour moi, c'est GTA 5. Alors, si vous avez des meilleures idées, dites-le moi en commentaire. Alors, pour moi, le deuxième meilleur jeu vidéo, c'est FIFA 17. Lui, mon beau-père, il joue, mon père, il joue, moi, j'y joue, je l'adore. Ensuite, pour moi, c'est Watch Dogs. Je sais pas si vous connaissez ce jeu où on pirate les voitures, on peut tout pirater. Personnellement, je l'ai fini, j'ai trouvé qu'il était super bien. Ensuite, c'est un jeu où je vais faire une série dessus, c'est Minecraft, que j'étais à commencer dessus, derrière. Ensuite, c'est Call of Duty. C'est super bien. Et ensuite, pour la cinquième position, soit la sixième position, c'est à vous de choisir dans les commentaires, mais je vous donne un thème pour choisir, c'est les jeux de VR. De réalité virtuelle, plutôt. Que ce soit sur PS4, Oculus Rift, voilà. Comme vous voulez. Ou même acheter ses valises, voilà, c'est vous qui décidez. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Mais c'est Beyond Two Souls. C'est un jeu où c'est une fille, elle incarne, elle a un esprit qui tombe toujours autour d'elle. C'est son frère, en fait. Désolé pour ceux qui étaient en train de jouer, je vous ai spoilé la fin. Mais voilà. Pour moi, lui, il est bien, hein. C'est en 8e position. Donc, passons à la 8e position. Splatoon. Splatoon, pour moi, c'est un super jeu. Dis-vous, je joue aux deux, je vous ai parlé de Mario là-bas. Bien, et voilà, Splatoon, c'est un super jeu. Voilà, j'aime bien. Ensuite, Mario Maker. Oui, je les ai ces jeux-là, je vais faire des vidéos dessus. Oui, vous me donnerez des idées dans les commentaires si vous voulez. Voilà, pour la 10e position. Grosse surprise, c'est vous qui allez choisir pour vous. Lequel, pour vous, irait dans la 10e position. Même si le nom classement, dites-le moi en commentaire si vous voulez. C'était Alexino. Ciao, ciao.